Sarajevo, le mardi 21 novembre 1995, il est 10 h du matin, Sniper Avenue est calme. Pas un coup de feu n'a été tiré pendant la nuit. Les habitants de la capitale bosniaque, quoique frigorifiés par l'hiver qui vient de s'abattre sur le pays, marchent tranquillement dans les zones à risque de la ville. La télévision gouvernementale parle peu des négociations en cours à Dayton. Ici, on en est à la 50e conférence de paix et on n'y croit plus beaucoup. Au théâtre municipal, on est vraiment très très loin de la guerre. Un cocktail a été organisé par des artistes bosniaques à l'occasion d'une exposition de peinture. J'espère que les pourparlers de paix vont aboutir. Enfin, qu'enfin en Bosnie, nous aurons la paix. C'est la seule solution. C'est notre avenir, à tous, qui se joue en ce moment. Oui, cette ville était multiethnique. Il y avait dans cette ville plusieurs nationalités qui vivaient sans problème. Et j'espère que ça va continuer. Nous vivions en communauté. Un exemple caractéristique était celui de ma maison, qui a 4 étages. À l'étage supérieur, vivait une famille serbe, nous, puis une famille croate et une famille musulmane. Pendant cette horrible guerre, nous avons vécu ensemble et vaincu beaucoup de difficultés ensemble. I pokazali su u toku ove 3,5 godine, 4 godine svih ovih stradanja, da zajednički podnose sva stradanja, da zajednički se bore, da opstanu i mislim da je to i budućnost ovoga grada. Ma, pourquoi y a-t-il eu la guerre si vous viviez si bien ensemble? Kad je to što ste vi objasnili, a sad ne vidim. Ma, qu'est-ce que j'en sais, moi? Mislim da bi ovo... C'était la guerre contre les civils et contre les peuples de la région, à cause de têtes brûlées qui doivent se refroidir maintenant. Ah, écoutez-moi, hein. Beaucoup d'habitants de Sarajevo n'étaient pas des militants, ni des médiocres. Ils vivaient comme des démocrates européens. Et comme les gens qui avaient pris le pouvoir étaient des nationalistes, des militaristes, on avait un problème. Beaucoup, beaucoup de gens de Sarajevo étaient contre cet état de fait. C'est pour ça qu'ils ont décidé de fuir cette ville et ces nouvelles lois. Ils sont partis pour ne pas perdre leurs âmes, leur paix intérieure, en vivant ici pendant les guerres. Bien sûr, il faut des élections, car aucun pouvoir ne s'est montré moins humain, moins belliqueux, moins souple que celui qui est en place actuellement. La pire des erreurs, ça a été les élections qui ont précédé la guerre, car les leaders nationalistes qui les ont gagnées ont formé un gouvernement. Ça a été un vrai cauchemar. Un vrai cauchemar. Le colonel Kai est en charge de la protection de l'aéroport ainsi que de les zones les plus dangereuses de la capitale bosniaque. C'est lui qui contrôle les lignes du front d'Elidja, de Nigarachi ainsi que du Mont Iman. Sa principale mission, veiller au respect du cessez-le-feu. Il a ainsi des contacts permanents avec les officiers bosniaques et serbes. De plus, il se doit de mener des missions humanitaires dans les quartiers les plus démunis de la capitale. Il va aujourd'hui inspecter la ligne de front du secteur serbe de Nigarachi où a été construit un hospice de vieillards. On rejoint tout de suite Nigarachi. Thank you.
Le sniper, c'est l'année dernière, c'est vrai qu'il devait... On perçoit à environ 200 mètres d'ici un grand immeuble avec des trous dans la façade. À partir de ces trous, vous avez des snipers qui tirent et ces grandes bâches permettaient aux petits vieux de se balader en étant hors des vues adverses. Oui. Bon là, comme les bâches sont tombées, il va falloir qu'on les remette parce que les papis qui se baladent à 80 ans, ils peuvent pas courir. Ils font facilement descendre. Si les opérations reprenaient, pour le moment il y a une pseudo-paix, si les opérations reprenaient, il y aurait un risque. Donc on va remettre ça en place rapidement. Ne restons pas trop là. L'accord de paix a été repoussé ? Ben, nous avons entendu à RFI que l'annonce du succès ou de l'échec des pourparlers était retardée de 3 heures, donc de 16 heures, ça passe à 19 heures local. Inch'Allah. Milena. Je puisse lui confirmer ce qu'il y a à faire. Ce que je peux faire. Ilićemo preko telefona. Iznos se svoje probleme, ali malo mi ko može da pomogne ono što mi je najvažnije. To jest krov. Sa toki ja bi najsretnija bila. Škola plus heureuse. Ako bi oni mogli da nam srede. Ovo da opet nama. Poussé au fond du couloir, mon gilet pare-balles et mon casque. Kompletnu sliku. I pa kad on malo. J'ai peur que le mur il tombe parce que là-haut là il y a un obus qui est tombé. D'ailleurs ils savent même pas si l'obus il est pas encore. Ah bon? Et à force ils ont peur que. En fait, ce passage j'utilise surtout pour aller à la cuisine. S'ils passent de l'autre côté ils ont peur de se faire tuer par les snipers. Oui, j'ai vu. Oui, il y a juste la ligne de confrontation juste derrière. Bon, on viendra voir pour cet obus de jour aussi. Non, là tu vois c'est d'ailleurs une sorte de mine tout en agrandissant. Ben, nous sommes juste sur la ligne de confrontation. Là, nous sommes en limite de zone serbe. Et de l'autre côté, là-bas, c'est la zone bosniaque. C'est ici qu'il y a eu de très très rudes combats. Et ça peut être dangereux. On ne va pas rester très longtemps. Oui, l'hospice est juste sur la ligne de confrontation. Oui. C'est pour ça que, comme vous disait Milena, chaque personne qui sortait, les petits vieux qui sortaient malheureusement, au moment des plus rudes combats, à chaque fois qu'il y en avait un qui sortait, il se faisait tirer. Oui, mais on est à une heure de la paix. Dans un pays comme celui-là, tout peut arriver. Il faut rentrer là, mon collègue. Elle est inquiète parce qu'elle pense qu'on gueule. Ah oui, d'accord. du matin, 22 novembre, alerte, nous allons peut-être vers un affrontement entre Serbes et Bosniaques. Le colonel Kaj se précipite sur le terrain. Qu'est-ce qu'on a comme véhicule là disponible ? Aujourd'hui, il y a une protestation serbe contre des soldats bosniaques qui renforceraient leurs tranchées. Donc on va passer sur l'axe, voir ce qu'il en est exactement, de façon à pouvoir éventuellement faire cesser les travaux qui peuvent être interprétés comme une violation du cessez-le-feu. Le tunnel qu'on vient de voir sert à quoi ? Bon, les tunnels, vous savez très bien qu'il y avait à un moment un siège de la ville et que pour permettre de ravitailler la population, les forces bosniaques ont creusé un tunnel sous l'aéroport de façon à faire passer à la fois de la nourriture et faire passer aussi les personnels. Et des peut-être armes, autre non chose. Ouais. Ça nous ne pouvons pas le contrôler, donc il y avait peut-être autre chose qui passait. Actuellement une relève là des bataillons, on a des camions dessus. On a eu une vingtaine de personnels débarqués par des camions qui venaient de Boutmir. Les véhicules ont fait demi-tour au niveau de l'entrée du tunnel et ont fait demi-tour. Les personnels étaient avec sac et armes. D'accord. Comment devenir ces postes de contrôle après l'arrivée de l'OTAN ?
Pour le moment, je vous l'ai dit, rien ne change pour nous. S'il doit y avoir des changements, on nous donnera des ordres en temps utile, mais pour le moment, je n'en ai pas. Le seul changement qui peut arriver, c'est que vous changez de béret, c'est ça ? On retrouvera une couleur qui nous est chère, le béret rouge. Mais ça changera. Je pense qu'au plan d'émission, ça ne changera pas grand-chose. Il s'agira toujours de garantir d'abord cette zone neutre de l'aéroport et puis de protéger toutes les populations, tous les belligérants, et ça ne changera rien du tout. Hein. Dobrynia, un quartier de Sarajevo qui était coupé du monde. Il y a encore quelques mois. L'ambiance y est plutôt à la fête. En première page d'un quotidien bosniaque, ce titre « L'Amérique perd patience ». Depuis le début de la guerre, un hôpital sponsorisé par l'Arabie Saoudite a été installé ici. À sa tête, un chirurgien palestinien. Ce sera très difficile de vivre ensemble, d'oublier la mort de son fils, de ses parents. Une armée contre une autre, on peut oublier. Mais là, il y avait une politique de génocide. Ce sera très difficile d'oublier. Skoro tri godine dežurao, znate, stalno danonoćno sam radio u bolnici, bio sam premoren. Meni je trebalo možda mjesec, dva, da se odmorim, ali ne, ja sam čovjek, šta ja znam, imam možda neke principa u životu. Tu sam porodica, znate, ono sve što sam stekao u životu, tu sam stekao. Dezertirao sam zbog psihičke... Moi j'ai déserté parce que je ne pouvais plus psychologiquement et physiquement continuer. Je n'en pouvais plus. Et puis cette guerre n'avait pas de sens. Les problèmes ne se sont pas résolus ici. Cette guerre nous a apporté encore davantage de problèmes. Et moi, comme la plupart des gens, on nous a obligés à combattre. Da učestvuju u ovome ratu. Ja nisam jedini dezertirao. Saznao sam tačan broj. Je ne suis pas le seul à avoir déserté. Nous sommes 107 dans ma brigade. C'était la 141e brigade légère qui est repartie sur le terrain d'ailleurs. 143. Lahka brigada koja je otišla. Combien y avait-il de combattants par brigade? Oh. L'effectif total de la brigade était de 600 à 700 hommes. Moi, je trouve qu'il était normal que les Arabes aident les musulmans. Il n'y a jamais eu de choses vraiment planifiées. Et c'était normal. C'était donc des décisions individuelles de gens qui voulaient combattre, nous aider. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'un musulman veuille combattre auprès d'autres musulmans. Ce n'est pas dans l'idéologie des Moudjahidines. C'est ce qu'on pense à l'Ouest. Non, c'est normal qu'un musulman combatte auprès de son frère musulman. Dans ce monde où il y a vraiment des problèmes pour les musulmans. Malgré que notre gouvernement se dise démocratique, défendant tous les peuples,
qui sont restés en Bosnie-Herzégovine. Cela est complètement faux, car il défend avant tout les intérêts musulmans, les intérêts islamiques. Da štiti interese muslimana na ovim prostorima. To znači ne orijentisana islamski. Cette fois-ci, c'est vrai. Nous sommes jeudi, il est 1h du matin. L'annonce de la signature des accords de Dayton a été reprise par les radios et télévisions bosniaques. Dans la rue, malgré le couvre-feu, des groupes de jeunes gens se forment et font éclater leur joie. A system of government and courts will be established with officials elected in democratic voting. No person accused of war crimes will be allowed to hold political office. Yeah, good. It's very good situation now. So tell you why. I hope it will be okay. Yeah. I don't know. I wish the best to everybody. I hope it will be okay. I don't know what else to say. Réaction à froid du présentateur vedette de la télévision bosniaque. J'ai toujours été optimiste. Mais tout de même, restons prudents avec ces tchétniks. Mais la liberté ne se défend pas dans les conférences de paix. Si vous êtes attaqué au canon, la liberté se défend par les mêmes armes. Nous n'en avions pas. Arrêtez de filmer, c'est le couvre-feu. Les premiers accords qui ont été signés aux États-Unis. Hier soir, après bien des péripéties, il reste à ratifier ces accords et à les faire accepter par toutes les parties prenantes sur le terrain. Vous avez eu des nouvelles des pilotes français ? Alors, c'est une grande préoccupation pour nous, de savoir qu'on a deux camarades qui sont encore prisonniers. Le général Milosevic, serbe de Bosnie, a fait savoir que ces deux pilotes étaient encore en vie et en lieu sûr. C'est tout ce qu'on peut dire pour le moment. Bien sûr que nous souhaitons tous leur retour prochain. Nous verrons. Les membres de l'ONU, dont le colonel Kai, semblent stupéfaits du partage de la ville de Sarajevo. Si c'est un Sarajevo élargi avec Vogoška, Ilica, Gorbavica, que vont devenir l'aéroport, les zones actuellement contrôlées par les Serbes? Bon, nous avons donc ici Vogoška, avec un axe principal qui descend vers ce grand carrefour. Ilica, qui contrôle l'arrivée de cet axe important. Lukavica, Gorbavica, et puis bien sûr l'aéroport, lequel convergent les principaux axes logistiques. Mais le partage de Dayton est-il viable? 13 ans après, tout le monde en doute.